Eh bien salut les gens, comment allez-vous? Moi c'est nickel, j'espère que vous prenez le même. On se retrouve pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! World Wide Edition, voilà. Et on va aller affronter le dueliste qu'on a encore jamais affronté, qui n'est autre que... Ah c'est bon, je l'ai déjà, Mokuba. C'est le plus nul des duelistes, lui, c'est vraiment un farm de booster, vous allez voir. On va l'exploser. Allez, 5 tours. Normalement s'il a... Il joue vraiment comme... Vous voyez? En fait c'est fait exprès, genre si vous arrivez pas à gagner... Que vous ayez un joueur à battre facilement. Ok, ouais, désolé, j'ai été interrompu. Lui, il a pas de force de miroir, tout ça. Lui, c'est vraiment... t'arrives, tu me niques, quoi. Hop, voilà. Et il a que des monstres comme ça. Son monstre le plus fort, je sais même pas ce que c'est. Mais vous voyez, il est complètement con. C'est ça qui est drôle avec lui, quoi. Je vais même pas prendre la peine de sacrifier des monstres, ça nous fera perdre du temps. Autant invoquer plein de monstres faibles avec lui, ça suffit largement. Et je ferai plus de dégâts. Ok, voilà, je finis mon tour. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je le comprends vraiment pas. On va quand même poser trap, ça pourrait m'éviter de réinvoquer un monstre. On va invoquer le soldat Jean de Pierre. Bon, je vais pas le détruire à ce tour-ci, mais le suivant sera le bon. Hop, voilà. Vous voyez, vraiment, il est hyper simple. Il sert vraiment à gagner des boosters. Bon bah voilà, j'ai gagné. Oh, je speed hein, parce que c'est pas intéressant. Voilà. Hop, et voilà. Voilà. On a win, c'était plutôt facile. Et oh, parfait. Alors ça c'est que des putains de monstres. Mais il y en a des intéressants parfois. Alors lui, vous voyez, je vais le mettre à la place du magicien. Clairement. Magicien du chaos noir. Je vais le mettre à la place du magicien. Et je crois que pour le coup, j'ai vraiment débloqué tous les persos. Hop, attaque. Tout main deck. Mmh, ouais, j'ai vraiment que des cartes de merde après. Et du coup faudrait que je vire non, attaque. Que toi je te vire. Ouais je sais, mais bon. Voilà, je retire le magicien et tout. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, maintenant que j'ai battu tous les duelistes, il me semble, peu importe combien de temps dure un match, nous les spectateurs adorons. Salut, oh bah parfait, écoute, un petit booster. Qu'est-ce qu'on a? Alors en général on n'a rien d'intéressant de ces boosters, sauf voilà, de temps en temps des monstres. En général on a vraiment rien. Alors il me semble que j'ai... Alors en fait on va faire ceux que j'ai jamais battus. Alors on va se tenter Yugi, mon deck s'est un petit peu amélioré malgré tout. Tous les... patati patata, il nous fait son coup de Yugi quoi. Allez à moi. Changement de cœur. Et des profondeurs. Berfomet. Qu'est-ce que je fais? On va invoquer cette petite carte. Yes, of course. Toi, dégâts, tu gères. Tu gères plutôt. Donc, par contre, sa carte me fait légèrement flipper. Je sais pas trop quoi faire honnêtement. Sa carte me fait vraiment flipper. Donc on attend. Parce que Yugi il a des forces de miroir et tout donc
D'accord, j'aurais peut-être dû attaquer. Alors, on va faire changement de cœur. Et je vais attaquer avec son monstre avant de le sacrifier. Comme ça, si c'est une force de miroir, je gâcherai sa carte. Et vu qu'il a autant de points d'attaque que mon père Fomet. Et j'ai bien joué, j'ai encore une fois bien joué. Bon. Et après, passer là. Et du coup, je peux passer lui en mode attaque. Oh, j'ai bien joué. Oh, allez, hop, je pioche. Dragon rampant numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Épée des profondeurs et... On va lui remettre l'épée des profondeurs qui lui appartient, j'ai envie de vous dire. Alors par contre, il a soldat Jean de pierre et tout, Yugi, donc j'espère que... Oh putain! Du coup, l'épée, elle retourne... Ah si, elle retourne au paquet, là. Ok, au moins... Au moins, je l'ai, quoi. Mode attaque, toi. Très bien que j'ai genre polymérisation. Coribo, ma mode défense, hein, parce que mon le pauvre. On va pas le faire souffrir. Oh là là. Mais c'est abusé. Il a invoqué. What? Que des monstres en mode défense. Mais c'est. It's totality abusé. Alors. Nous allons. Ah, j'étais toujours à ma phase d'attaque, moi. Attendez. Je sais plus où il a mis quoi. Ouais, toi, c'est bon. Il est cheaté, le bêta, là. Parce que 1700, c'est beaucoup. D'accord. Ah, donc là, il a les 3. Concrètement. Sauf que moi, je vais déjà en détruire un. Non! Mais oh, j'arrête pas de me tromper. Je vais en détruire un. Je vais sacrifier pour invoquer Baphomet. Je vais ramener Gazellen. Et je vais activer l'épée des profondeurs. Sur le plus. Sur lui, allez, pour qu'il soit équivalent. Parce que sinon, j'aurais pas pu les détruire tous les deux. Et oui, monsieur, dame. Hop là, voilà. Et je vais poser... Non, écoutez, je vais rester comme ça. Je suis bien comme ça. Ok, épée de révélation. Merde, j'aurais dû poser mes... cet outil du bandit, c'est pas grave. On va préparer une grosse offensive pendant ce temps. Oh putain. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Ça pique. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans les... Lui, il a... Ok, toi, on s'en bat les couilles, frère. Et moi, j'ai quoi d'intéressant? Donc déjà, elle pourra pas m'avoir. Toi, je vais te garder. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire trou noir. Hop, je vais monstre René. On va aller chercher sa magicienne des ténèbres. Comme ça, je l'ai. Et j'invoque le rat géant. Et comme ça, je suis bien. Hop, l'épée des profondeurs. Qu'on va équiper à la magicienne. Et normalement, ces épées vont enfin se barrer. Ouais, voilà. Oh, parfait. Il nous laisse le champ libre. Un monstre. Ah, merde. Dommage, j'aurais pu le finir. Avec un monstre. Oh, quoi que non. Il y avait beaucoup quand même. Il y avait beaucoup de points d'écart. Je disais donc qu'il y avait beaucoup de points d'écart, vous voyez. Et bordel, faut toujours qu'il remette des monstres, ce con. Bon, écoutez, je... Ah bah parfait, au moins, il me... Bon, allez.
le plus puissant, comme ça je pourrais aller rechercher un autre monstre si jamais. Allez, un monstre et je le finis. Par exemple, ça me va. Entrée phase de combat, donc là j'ai deux monstres puissants et ça va faire pile poil. Et j'aurai enfin battu Yugi. Et voilà, you win. Ouais, tu es un sacré... Mais sérieusement, les traductions... Oh, parfait. Fais de la fontaine, toi t'es pas mal. Chercheur de dragon, toi je t'ai déjà... Appel de la tombe. Utiliser cette carte... Ah, oh non, mais... Par contre, j'ai la fée de la fontaine, donc... Toi je t'ai win, toi je t'ai win, toi je t'ai win. Alors, on va. Deck et truc. Toi voilà. Ton main deck. Et dans mon deck, je vais retirer, 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 retirer. Rageon, j'en ai deux. Mais si utile, je vais enlever toi, parce que t'es moins fort. Donc, et je vais... Alors, je voudrais... Puis, d'accord. Alors, ça, c'est juste des trucs de... Alors, c'est pas ça que je veux. Tu savais que... Joey. Voilà. Hop, on l'a feinté. On l'a eu. Alors. Parfait. On commence avec une bonne main. Mais c'est pas du jeu. Pourquoi faut qu'il tombe sur son monstre à 2100 le premier tour, sérieux? Bon, maintenant elle est qu'à 1900, mais bon. On pose ça, j'ai un monstre à sacrifier à... Magicien des ténèbres, mais je l'ai pas enlevé? J'en avais deux. Ils sont sérieux, j'en avais deux. Écoutez, son monstre va normalement retomber. Je peux pas attaquer avec? Ah merde! Bah du coup ça servait à rien ce que j'ai fait. Bah je vais faire ça, mode phase 2 et après son mode défense. A mon avis elle y restera pas, mais bon. Ouais voilà. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà quoi. C'est ça la vie, j'ai envie de te dire. Non, mais par contre là quand il va m'attaquer directement, oui. Yes, allez, ciao Kuribo. Ouais. Par contre, là, je suis un peu paumé. J'en profiterai pour invoquer. Ah, mais non, j'ai plus qu'un géant de pierre maintenant. Je sais pas trop. Je sais pas, on va voir. Non, parfait. Ah, oui, mais. Il peut me l'attaquer. Ouais, bon. C'est pas grave, ça m'évite quand même pas mal de dégâts. Voici le problème de mon deck. Ça c'est quoi déjà? C'est tout du bandit. Bon, écoutez, voilà, on termine notre tour tranquillement, posément, calmement. Bon, par contre, là, c'est abusé. Heureusement qu'il a deux zombies qui peut même attaquer directement avec. Hein. Et je vais. Viens là, Coco. Là, tu vas me servir, Cyber. Ok, donc là Cyberjar il va me servir concrètement. Et bim, là je t'ai ken mais d'une façon. Hop là. Oh, par contre ça pique. Bouclier magique, oh putain. Ça pique. Oh oui. Marionnette mystérieux comme ça. Bon. Concrètement. Il me tue pas. Voilà, voilà. On passe. À moi. Alors. Nation d'attaque. On pose. On pose. On active. Par contre, concrètement. J'ai toujours pas de monstre quoi, j'avais mon marionnettiste qui m'a protégé un petit peu, mais c'est tout.
Quelle carte? Ah bah oui, celle-ci. Non. Non. Alors je suis désolé pour le vote de Skype, attendez, je vais faire un truc. Ok, en fait, au lieu de me passer en ne pas déranger, je m'étais passé en connecté. Ok, ça m'aide toujours pas. J'ai encore une annulation d'attaque, mais... Elle va me servir là, quoi. Là, si j'ai pas un monstre, je suis foutu. Concrètement. Ah là là, les petits. Les magiciens et Buster. Boum. Avec l'épée des profondeurs. Alors, je crois que je peux pas faire de meilleurs combos dans mon deck. Donc, on va le calmer un petit peu, ce Joey Wheeler. Et je lui défausse une carte. Du coup, je lui défausse une carte. C'est très bien tout ça. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh non. Puis il y a l'épée qui va casser les couilles là. Je suis mort. J'arrive pas à jouer vraiment. Il est franchement le plus chaud que lui. On est samedi. Oui. On est dimanche. Et il n'y a pas de genre... le petit tournoi qui avait... Ah! Un dueliste que j'ai pas... Ça peut être qui? Ah oui! C'est vrai que je pensais plus à toi. C'est un... Lui, il a un deck basé sur les eaux marines, tout ça. La mer, quoi. Si du bandit, c'est quoi ça, magicien? Mais faut que je le vire, lui, magicien ténèbres, il me saoule. Ok. Donc lui, il est moyennement dur. Mais dans l'ensemble, ça va. Elle a quand même un monstre à 1500. T'as Criminos. Et prends-toi 500 dans la face. Attendez. On va garder l'autre. Et je le garde en mode défense sur le soldat. Ça peut servir. Et on finit notre tour, les petits hauts. Donc voilà. Oh putain! Faut qu'il trouve un bête de monstre comme ça. Bon, au moins il peut pas attaquer à ma défense. Garida. Oh mais c'est parfait! Voici le genre de monstre que j'aime bien. Voilà, on détruit son monstre et il perd 100 points de vie supplémentaires. C'est bizarre de dire il perd 100 points de vie supplémentaires. Enfin, je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ah, Umi. Ah, ça va piquer. Toi, c'est les trucs des monstres dragons. Magicien Nathan, j'en ai marre de voir ta gueule. Je vais invoquer elle. Alors... Du coup, ces monstres sont boostés. Bon, pas elle pour le coup. Mais bon. Non. Je garde le soldat joint de pierre en mode défense parce qu'il a quand même 2000 de défense. C'est chaud à contrer. Ah, il a posé une carte face cachée. C'est bon, j'ai mes soucis du bandit dans tous les cas. Vous sentez le combo cheaté. Et toi? Et toi? Ouais, là j'ai un peu fait de la merde en fait, mais je comptais pas faire ça. Oh, ça aurait détruit tout, mais bon, c'est genre un rage qui. Attendez, parce qu'on m'appelle sur Skype, ça m'énerve. On va pas jouer la sûreté pour une fois. J'ai bien eu raison. Et là, je lui mets. Ah, j'ai pas activé mon épée. Voilà, ça, j'allais me dire, faut que j'active. J'ai mon épée, bon écoutez, je pense que j'en aurais pas besoin. L'épée des profondeurs qui est quand même assez cheatée, hein, on va pas se le cacher. Là par contre, pour le coup, j'ai pas dommage torrentiel, donc je mets la goule.
Tous les dommages enregistrés par ce monstre sont lancés. Ok, alors attendez. Donc si j'ai bien compris, je peux pas lui faire de dégâts. C'est ça? Ouais, voilà. Ok, je dois attendre d'avoir le typhon. Ou qu'il retire Umi, ou je sais pas que... Putain. Je peux plus lui mettre 2 points de vie. C'est pas ça, hein. Non, ça c'est l'épée. On va mettre ça à ma goule. Voilà, j'ai 2 monstres puissants. Oula. Ok, manquait plus que ça. What? Attends, c'est un mec volcan, c'est un type haut. What? Attendez. Faut m'expliquer. Pourquoi il a des points d'attaque en plus? Pyro. Alors là, j'ai pas tout compris. Ah! Réduit également l'attaque. Ah, ok, donc normalement, bah attendez, il a combien? Ah, mais c'est un monstre à sacrifice. Donc là, concrètement, il peut rien me faire. Non. Ah bah si, je peux le détruire quand même. Mais il perdra pas de points de vie, quoi. D'accord, d'accord. Hop. Gobelin de Robin, mais c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est pas vraiment ce qu'il me faut, mais bon. De quoi? C'est quoi la carte? Ouais, je l'active, écoutez. Oula, j'ai tapé dans le micro, désolé. Et boum. Bah oui, on va activer son effet. En fait, ça m'arrangerait plus de me faire venir une carte magique, mais bon. Allez hop, toi, avec le truc d'eau, t'auras un avantage. C'est parfait. Oh. Putain. Je préfère détruire directement Umi. Putain, puis il y a l'épée qui revient au-dessus. Oh, c'est la merde, ça. Bon, ça a détruit aussi ces monstres, mais bon. Voilà, le petit poisson volant, tranquillement, posément. Ouais, allez, on est fou, Kuribo, tu... Ah, quoi que non, j'aurais dû le garder. Du coup, là, j'ai plus de monstres. Voilà, là, j'ai plus de monstres, j'aurais dû le garder. Là, s'il avait un monstre plus fort. Ah bah, c'est bon. Tant qu'il a que le poisson, c'est bon. Par contre, du coup, c'est chiant. Écoutez, de toute façon, là, faut que je fasse des dégâts, donc... Bon, par contre, je sens que je vais le regretter. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça, putain. Parce qu'il garde l'épée, hein, de l'autre côté, donc. J'aurais jamais dû faire ça, putain. J'aurais jamais dû faire ça. Mais jamais. Je vais le regretter. Voilà, à cause de moi, je prends cher. Et du coup, maintenant, si... Putain, je vais prendre cher. J'ai moins de tours, du coup. J'ai moins de tours à ma disposition. Il n'y a aucun autre monstre, mon gars, je prends cher, hein. J'ai encore 2 tours. Ok, je vais résister. En défense, donc déjà, c'est bon. Voilà, ça fait comme avec le duel avec je sais plus qui, avec 3 points de vie, là. Puis, j'ai pas gagné. Putain, il remue. Ok, bon, au moins, la carte... Attendez, parce que... C'est un monstre nu... Non. Je vais tenter quand même parce que c'est peut-être il a des monstres nuls. Ah, 2000. D'accord. D'accord. Donc là, je suis un petit peu coincé. Sauf s'il me détruit pas de monstres. Je pourrais faire un sacrifice. Putain, 2600. Ah mais non, c'est bon. J'ai gagné. Si j'ai un monstre, j'ai gagné. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Enfin, ah, faut qu'il attaque le pingouin soldat, c'est tout. Putain, il a pas attaqué le pingouin soldat.
Ah si, c'est bon, j'ai gagné grâce à l'effet de rat géant. Quoique non, j'ai pas du tout gagné en fait. En fait, faut qu'il attaque mon pingouin soldat, comme ça je remets la carte dans sa main et après j'attaque avec mon autre monstre. Mais déjà, s'il a un deuxième monstre, mon plan échoue, lamentablement. Allez, on va l'utiliser, comme ça je pourrai invoquer mon... Ah mais non! Mais même mon magicien, il va pas être assez puissant. Ah, ça pue ça. ...2500, lui il est à combien? 2600. Ah mais... C'est grâce à Omi tout ça. C'est la fin mon gars. Putain. Bon, au moins j'ai une trappe. Écoutez. Ok, dauphin blanc, super. Il me reste 500 points. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Mais non, putain. J'en ai marre de me faire avoir un poil de cul, putain, non. C'est abusé. Ouais, vas-y, donne-moi un paquet, je mérite au moins ça, sérieux. Mec, il y a eu... tous les monstres de l'adversaire qui ont... D'accord. Oh non, mais sérieusement. Allez, on va se faire un petit Mokuba en mode speed pour rigoler. Histoire d'avoir un booster avant de quitter l'épisode. Ouais, je perds même pas de temps avec lui, hein. J'y vais franco, franco-belge. Voilà, j'y vais franco, je vous ai dit, c'est juste pour me détendre, voilà, comme ceci, on attaque. Voilà, c'est vraiment juste lui là, c'est pour me détendre, digérer ma défaite, vous voyez. Voilà, mon petit dragon, tu vas faire le taf. Hop là. Miroir malfaisant, les machins trucs. Allez, je m'en bats les couilles, j'invoque le magicien. Bla bla. Ouais, là je suis en mode complètement speed, mais ça m'a saoulé. Honnêtement, ça m'a saoulé. Et bim. Voilà. Allez, hop. Et on va prendre lui. Ah non, mais non. Dragon météore noir. Dragon noir aux yeux rouges plus dragon météore, ouais mais... Oh, faut que j'arrête de prendre ce paquet à chaque fois, il donne envie et tout. Nope, faut pas le prendre. C'est rare d'avoir trois trucs. Donc les amis, je vous remercie vraiment de regarder cet épisode de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous dis allez, ciao tout le monde, à plus pour de prochaines...